Rebonjour à tous. Bienvenue à Prendre plaisir à l'informatique. Donc, deuxième émission sur introduction au système GNU Linux. Je vous avais montré un petit peu où aller voir pour ce qui est d'avoir l'historique de Linux. Exemple, nom de code Linux, une vidéo qui est en cinq parties ou complète sur YouTube, par exemple. Nom de code Linux va vous donner une bonne idée de quoi on va parler et va vous situer un peu. Le reportage est quand même bien fait et ça date quand même de plusieurs années, mais c'est très, très intéressant à découvrir. C'est de découvrir, justement. Pour vous donner un autre aperçu, Linux ne fait pas vraiment de pub, mais ça arrive des fois qu'il y a des petites pubs qui se font, des façons humoristiques, mais c'est que il n'y a pas de budget de dépenser pour pas à coup de millions et de milliards comme les systèmes propriétaires. Mais c'est souvent c'est très songé, c'est bien fait et c'est percutant, mais c'est fait par des individus. Mais dans le cas d'ici, c'est IBM qui a fait la pub. Je vais vous la montrer ici. Vous devez absolument voir ça. Ce n'est qu'un enfant. L'Homo habilis a été le premier à utiliser des outils. C'est un accord en sol. Il apprend, il assimile, il devient de plus en plus intelligent. Le meilleur joueur n'est pas celui qui marque, c'est celui qui fait gagner son équipe. L'homme a toujours regardé les étoiles. Observe le ciel et tu comprendras comment tout a commencé. Collecter des données est le premier pas vers la sagesse. Les partager, c'est créer une communauté. La théorie du chaos. Tout est dans le minutage des scènes. La poésie. L'aéronautique. La plomberie. Tout ce qu'il apprend, nous l'apprenons aussi. Tout ce qu'il sait, nous en bénéficions. Plus vite, mieux, moins cher. Dis ce que tu penses. Ne recule jamais. Comment s'appelle-t-il? Son nom est Linux. Comprenez le sens de la vidéo, c'est que étant donné que c'est communautaire, même Linux, dès le jeune âge du système, tout le monde utilisant du Linux et travaillant à élaborer, à fabriquer du Linux et à le partager, ont appris et ont grandi, et ont évolué. On peut dire que pour certains, la naissance en informatique naît avec du Linux. Et bien souvent, ils ont vécu des vies antérieures en Windows et ils ont eu des mauvaises expériences. Ils ont eu leur enfer avant la naissance, dans certains cas. Et là, ils découvrent un nouveau monde, quelque chose qu'ils ne savaient même pas qu'il existait. Hein? C'était un peu comme ils vivaient dans une coquille d'œufs, et tous étant enfermés dans ces mêmes types de coquilles d'œufs-là, les gens ne se posaient pas de questions comme telles. Tout le monde le fait le donc, hein, comme on a déjà entendu comme slogan ici au Québec. Et là, c'est mondialement, finalement, que tous les gens utilisaient les mêmes genres de systèmes, les mêmes systèmes imposés, ne sachant pas qu'autre chose existait. Et là, à un moment donné, vivant dans cette coquille d'œufs-là, je vous donne l'exemple d'une coquille. Nous, les poussins à l'intérieur, à un moment donné, en système informatique comme ça, on finit par ruer dans les brancards. Et dans notre cas, les brancards, c'est la coquille autour. Et à force de... Tu sais, maintenant, on choque. J'ai déjà vu des ordinateurs arriver chez nous, moi, pour que je puisse les désinfecter puis essayer de remettre ça en ordre un peu. Et des tours tout cabossés parce que le mec était tellement à bout après son système qu'il fait ça à grands coups de poing sur son ordinateur. Là. Fait que là, à un moment donné, c'est ça, il y en a qui ont frappé dans la coquille puis ils se sont rendus compte qu'il y avait une petite fissure qui se faisait. Avec la petite fissure, ils regardent à l'extérieur, ils se rendent compte que quelque chose à l'extérieur, autre que la matrice dans laquelle ils vivent, dans cette coquille-là, il y a autre chose à l'extérieur. Mais ils font juste entrevoir. Ça peut leur faire peur aussi. Pas envie de sortir de là, moi, non. Non, je ne changerai pas de système d'exploitation. Moi, non.
Il y a un autre monde à l'extérieur aussi, là. Mais vous êtes libre. Là, vous êtes libre de le faire ou pas. Vous pouvez rester dans votre coquille, comme vous pouvez sortir de la coquille. Mais ce qui arrive, c'est que quand vous craquez votre coquille un peu plus, puis vous finissez par travailler pour passer au travers, puis sortir finalement pour voir à côté de vous la coquille dans laquelle vous étiez qui est rendue vide, et vous, vous êtes à l'extérieur, vous réalisez qu'il n'y a pas juste un monde clos, hein? Il y a autre chose autour, il y a de l'herbe à terre, il y a des arbres, il y a le ciel, il y a le soleil, il y a les fleurs, il y a les oiseaux, d'autres, les oiseaux, il y a des animaux, il y a des odeurs, il y a des goûts, c'est quoi ça? Vous ne le saviez pas, vous étiez enfermé dans la coquille. Ça peut arriver qu'étant dans la coquille comme ça, en ayant sorti, vous regardiez autour de vous et vous voyez d'autres qui semblent vivre confortablement encore dans leur coquille, ou ils se croient confortables dans leur coquille. Ils sont à côté de vous, ces autres coquilles-là, ces autres poussins-là. Et là, à un moment donné, quand vous avez goûté à quelque chose de le fun, puis de quoi d'enrichissant, vous avez envie de le partager avec les autres. Et de là, quand la communauté Linux, c'est le même principe, c'est le principe de reconnaissance de ce qu'on a et du partage qu'on peut en faire et de la joie de partager. C'est pas pantoute du capitalisme, c'est à l'inverse total. C'est un nouveau monde que vous allez découvrir. C'est complètement contraire à ce que vous connaissez déjà là. Et quand vous y avez goûté, vous allez taper un peu ces coquilles des autres. Dire « Hey, fan crack, viens voir. Il y a d'autres choses que le dedans de ta coquille. Ah non, non, moi je suis bien dans ma coquille. » T'es libre, tu peux rester bien dans ta coquille. Et tu es dans ta coquille, comprends-tu? Mais il y en a qui ne le comprennent pas, puis ça peut prendre des années à qu'ils le comprennent, et ils sortiront jamais de la coquille. Mais ils ont le droit, c'est leur univers, et il faut respecter ça. Mais on se dit, ouais, mais ça n'a pas d'allure. Non, il faut le respecter, faut respecter ça, c'est comme ça. Les autres, ils veulent pas plus, mais... Nous, on se dit tant pis, mais tant mieux pour eux s'ils se croient heureux dans ça. Mais en tout cas, là, quand on finit, on a d'autres petits qui ont sorti de la coquille, puis on est tous ensemble, puis on forme une communauté hors coquille. Là, on a du fun en tabarnouche, la gang ensemble, puis on se dit, bien, c'est plate. Fait qu'il y en a qui sont plus, disons, du tempérament sauveur. Hein? Fait qu'ils vont aller voir encore les gens dans la coquille, puis hey. Oh, sors ta coquille, puis d'autres, à un moment donné, se disent, ben non, écoute, le temps qu'on regarde en arrière, on ne voit pas les portes qui s'ouvrent en avant de nous, fait qu'on va détourner nos regards, puis on va s'en aller selon ce que nous, on a une vie à vivre, et mettons, en informatique, ben, on a une vie informatique, qui n'est pas notre vie, mais qui est une partie de notre vie qu'on prend en informatique, qu'on met des heures dans une semaine là-dessus et qu'on prend plaisir à ça, on va s'en aller là-dedans et on va essayer d'aider les gens de plus en plus. Et comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, les compagnies comme Microsoft et Apple, l'ayant compris sur un point de vue marketing, bien, le monde de Linux, c'est un monde comme plus fermé un peu, puis c'est pas un monde capitaliste. Et ce qu'on veut en système Linux, c'est du communautaire, mais on veut agrandir la communauté. Donc, c'est simplement une envie de partage, mais une envie d'agrandir la famille. Mais ça, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'ambassadeurs, disons, de la cause Linux et de la communauté Linux. Et il n'y a pas beaucoup d'ambassadeurs non plus qui peuvent communiquer vraiment ce que c'est. Et parce que ils le font aussi de façon bénévole. Et ce n'est pas tout le monde qui veut faire du bénévolat pour les autres, parce qu'il y en a qui utilisent du Linux aussi de façon égoïste. Ils veulent, genre, non, c'est juste à moi. C'est correct aussi. C'est leur désir et ils ont la liberté de le faire. Donc, on commence à tomber dans des choses importantes et vitales et des choses qu'on perd de plus en plus, soit la liberté. La liberté meurt à chaque jour sur cette planète-là. Et dans le domaine informatique, c'est la même chose. Puis à un moment donné, si on peut en avoir un peu à quelque part, bien, on saute dessus. Il faut la tenir, puis il faut se battre pour. Et c'est ce qu'on essaie de faire, et de plus en plus, mais on n'a pas les moyens,
pour diffuser à grande échelle des, ces notions-là. Et le communautarisme en informatique, c'est difficile à répandre. Et pourtant, ça devrait être la base. Mais on ne connaît pas ça. On connaît juste ce qui est fermé et toujours par motif d'intérêt. Et c'est plate. C'est une situation très plate. Et là, étant donné, comme je vous disais, qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, les systèmes d'exploitation sur les ordinateurs sont comme de plus en plus beaux, mettons, de plus en plus attirants. Et sauf que dans ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en réalité, ce qui est attirant et ce qui est motivant visuellement sur les systèmes du marché, c'est de l'imitation aussi, de l'imitation justement des systèmes Linux. Parce que le système Linux a une esthétique incroyable, si on veut, parce qu'on peut le modifier comme on veut au goût de chacun. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est tellement laid ce que tu as fait là », ou bien d'autres « C'est donc bien beau ». Il y a moyen de mettre des thèmes et de transformer ce qu'on voit visuellement, de ce qui est graphique sur la machine, de façon assez incroyable. Il y en a qui n'accrocheront pas là-dessus. « Dis-moi, je veux ça bien sobre ». Juste pour dire que ce n'est pas du texte, hein. Ils veulent ça, froid, sec, mais il y a possibilité de le faire. Mais ceux qui veulent vraiment faire de l'éclat avec leur machine, puis avoir du 3D même dessus, Linux, les systèmes Linux le permettent depuis des années et des années et des années. Et il y en a qui travaillent, des développeurs qui travaillent justement à personnaliser les looks et les effets de bureau des systèmes Linux. Je vais vous montrer une vidéo qui date quand même au moins de 3 ou 4 ans, pour vous donner une idée de ce que ça peut avoir l'air comme visualisation, si on veut, un système Linux. Dans le cas d'ici, je crois que c'est une Ubuntu. Ça, il va falloir que je vous explique tout ça. Là. C'est Ubuntu, puis ainsi de suite. Là. Paniquez pas, on va vous expliquer ça avec le temps. C'est juste des noms, c'est juste des nouveaux noms. Okay? Au lieu de dire Windows 7, là, c'est Ubuntu. Okay. Ubuntu, en langue africaine, ça signifie « pour le peuple ». Donc, c'est une distribution Linux, parce qu'il y a au moins 900 distributions Linux différentes. Quand je vous dis qu'on n'a pas de choix en informatique, quand on ne connaît pas Linux, on n'a vraiment pas. Et quand on connaît Linux, on a comme trop de choix. Le choix, il est illimité. Mais il faut juste se faire guider selon ce qu'on a besoin. Et pourquoi il y a tant de choix que ça? C'est qu'il y a différentes personnalités qui composent les gens. Puis la communauté Linux, c'est des personnes, là, c'est des humains qui travaillent avec un ordinateur et les goûts diffèrent d'un à l'autre. Et c'est pas tout le monde qui a les mêmes exigences, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts, qui va avoir les mêmes looks, et ainsi de suite. Il y a un faux pour tous les âges et pour tous les goûts. Et ça que je vais vous montrer là, les jeunes vont, comme on dit, triper sur ce que je vais vous montrer là. Les personnes plus âgées vont dire « Oh non, non, c'est trop. » Ils vont se penser, ils vont avoir l'impression qu'ils sont dans l'espace, dans le vide. Là. Puis, ah, qu'est-ce que c'est ça? Vous ne serez pas habitué. Vous risquez de vivre un traumatisme. Parce que c'est pas, vous n'êtes pas habitué à ce genre de visualisation d'un ordinateur. Un ordinateur, normalement, vous, c'est statique. Mais il y a possibilité d'aller plus loin. Mais c'est qu'en réalité, c'est pas juste des effets optiques qu'on peut avoir avec. Ça a de l'utilité aussi que je vais vous expliquer au fil des autres émissions. Et si je vous montre ça ici, là. Voyez les fenêtres molles. Wow, que c'est ça? C'est un cube de bureau. C'est en trois dimensions. Donc, vous avez comme quatre faces de bureau, plus un dessus, plus un dessous. Et ce que vous avez en face, là, c'est ce que vous avez normalement sur un bureau normal, comme en Windows. Et c'est une face de bureau. Vous pouvez avoir quatre faces de bureau, vous pouvez en avoir 10, vous pouvez en avoir 12, vous pouvez en avoir 16. À un moment donné, c'est comme si vous auriez quatre écran en avant de vous, ou que vous en auriez... regardez, vous pouvez la déplacer sur une autre face de bureau. C'est ce qu'on vient de voir là. Vous pouvez les étaler, les changer de face.
Fait que ceux qui travaillent, exemple, qui écrivent du texte et qui, d'un autre côté, écoutent de la musique, comme on voit là, ou que vous faites votre comptabilité, fait que vous pouvez alterner, mettre en avant ou pas l'image que vous voulez, donc la face de bureau que vous désirez travailler dessus ou intervenir sur cette face de bureau-là. Il y a, à un moment donné, il y a Microsoft qui a fait semblable à ça, qui est comme un étalement des fenêtres. Ça peut tourner comme en spirale, tout, 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 une fenêtre là. C'est des genres de fonctions, même que ceux qui utilisent Windows, la plupart des gens ne savent même pas que ça existe. Mais c'est pris justement de l'idée de Linux qui offre ces fonctionnalités-là. Vous voyez là, la rotation. Il y a possibilité d'avoir des animations diverses même. Exemple, vous voyez les fenêtres s'étalent, vous pouvez toutes les tenir ensemble, ils viennent toutes molles. Vous pouvez même augmenter la gélatine de la fenêtre, si vous voulez, qu'elle soit encore plus molle. Regardez, il y en a une qui se sauve comme un avion de papier. Les effets peuvent être aléatoires. Vous voyez, celle-là, il était comme un accordéon. Eux autres, ils partent d'en haut, ils font une rotation. C'est que ça vous anime, vos choses. Quand... Tu sais, bien souvent, on va regarder des films où est-ce que vous... Que ce soit des films de science-fiction ou... Et là, vous voyez, quand il y a quelqu'un sur l'ordinateur, vous voyez des animations, même qu'il y a des écrans qui sont tactiles. Puis, fouf, vous tossez votre... Vous voyez ça dans des films, là, surtout qui ont rapport à la haute technologie, là, la CIA, l'FBI, et ainsi de suite. Puis là, vous dites, ah, c'est tout un système, ça. Bien, c'est ça. En Linux, c'est ce qu'on fait. C'est la fluidité du système, étant donné que... L'architecture n'est pas faite de la même façon que Microsoft, ben vous pouvez en demander à la machine puis l'exploiter, la machine, sans la tuer. Il y a des effets qui fonctionnent en Linux que vous ne pourriez jamais faire fonctionner en Microsoft parce que ça va planter. Mais l'architecture est tellement bien faite en Linux puis tellement léger que même avec des interfaces de bureau comme ça, en 3D, avec des animations comme ça, bien, même à ça, la machine n'est pas sollicitée, même pas le tiers de ce que si la machine fonctionnerait en Microsoft. Et donc, c'est beaucoup mieux géré, beaucoup plus rapide d'exécution, puis ça supporte le 3D. Et vous voyez justement, là, il se trouve à ouvrir une machine virtuelle en Windows dans son Linux, comme j'ai fait depuis le début des premières émissions. C'est ça. Ça fait que ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire comme animation dans votre. Pour travailler avec votre système. Fait que ça, c'est, disons que c'est plus élaboré. Les jeunes aiment bien ça. Même les plus vieux aussi, comme moi, là. J'aime bien ça. Mais pour l'utilisation de base, quand quelqu'un part, mettons, d'un Windows et s'en va un système Linux, faut pas vraiment l'embarquer tout de suite parce qu'il va... Ouf, il va tilter, il va trouver... C'est comme le poussin qui sort de l'œuf, là, puis qui... Il y en a trop, là. Il y en a trop à voir. Là. Il y en a trop, là. Non, je vais paniquer. Là. Fait que c'est pas notre but de vous faire paniquer. On veut y aller avec une transition mollo à votre rythme, mais quand même vous faire entrevoir les possibilités qu'il peut y avoir. Fait que là, ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu le système sur lequel je travaille actuellement. Cette distribution-là, que j'utilise présentement, elle se nomme Point Linux, P-O-I-N-T, Linux. C'est une distribution Linux qui est développée à partir d'une base qu'on appelle Debian. Il y a des grandes familles de distributions Linux. Je reviendrai dans une autre émission pour vous expliquer comment ça fonctionne.
Mais comme des familles, bien, il y a la grand-mère, hein? Et ensuite, bien, il y a la fille, et ensuite, il y a les enfants et les petits-enfants, et ainsi de suite. Fait que c'est, ils ont la même base génétique, mettons, pour dire. Ils ont les mêmes liens du sang, mais un est né avant les autres. Hein? Et de celle-là, les autres descendent de celle-là. De cette première grand-mère-là, mettons, et ainsi de suite. Donc, il y a toujours une base de quelque chose, exemple, la Debian, d'où découlent plusieurs distributions Linux, dont la Ubuntu est une base de Debian. Donc, la grand-mère s'appelle Debian. Debian, c'est, en réalité, c'est, on peut dire, c'est la distribution pure. Okay? Et les autres sont des descendants sanguins de la distribution pure. Donc, le sang est le même, sauf... n'est pas le pur, mais a des propriétés, étant donné qu'il y a eu croisement génétique pour faire un enfant, ça en prend deux. mais il y a toujours une partie qui reste. Donc, c'est un peu le même principe. Et celle-là ici, l'autre chose aussi, c'est que c'est les environnements de bureau. Les environnements de bureau, il y en a beaucoup, beaucoup d'environnements de bureau. Et c'est, les gens sont placés devant des choix, ils peuvent justement les voir. La communauté Linux est tellement grande sur Internet, c'est incroyable. Vous pouvez tout trouver, même des prévisualisations d'environnement de bureau, et être capable de choisir le type de distribution Linux pour vous que vous pouvez essayer sans même désinstaller Windows, là, dépendamment des ordinateurs. Il va y avoir des modifications à faire parce qu'encore là, Microsoft a la mainmise incroyable sur les nouvelles machines. Ça n'est enrageant, OK? Et là, je devrais vous aider par rapport à cette partie-là, si jamais c'est le cas. Et plus ça va, plus c'est le cas. Parce qu'il y a moyen d'essayer un Linux sans rien enlever, sans rien arracher, là. Essayer une distribution Linux sur une machine, on a toujours fait ça, ça fait ça, ça se fait de même, OK? On télécharge une distribution Linux qu'on met, mettons, sur une clé USB et on redémarre en priorité sur la clé USB et on tombe en système Linux qui ne fonctionne pas du tout avec Windows. Là, Windows, il dort, il ne s'en rend même pas compte, lui, là. Mais on a même accès avec notre système Linux Live, qu'on appelle, être capable d'aller chercher même des documents dans la Windows qui dort, et d'aller emporter aussi. Mais c'est génial comme système, OK? Sauf que Microsoft nous empêche de le faire sur les nouvelles machines. Et avec Windows 10, ça risque d'être pire encore aussi. C'est inacceptable ce qu'ils font. Et si on n'est pas vraiment un peu hacker, là, on va avoir des problèmes avec être capable simplement de démarrer sur une clé USB, là. Les systèmes de protection, en parenthèse, toujours pour votre protection, là, mais c'est surtout pour leur mainmise, là, et leur contrôle et votre absence de liberté, là, c'est décevant, là, c'est plate. Donc, moi, ici, j'utilise en réalité une catégorie de menu là, qui fonctionne comme une base de Debian. La base de Debian, c'est simple, tout est classé. T'sais, si vous allez dans tous les programmes sur Windows, ils vous étalent un paquet d'affaires, il n'y a rien de classé. C'est fait par des ingénieurs. Et ça, c'est fait par des ingénieurs. Hmm? Fait que si je m'en vais dans le logiciel, j'ai les accessoires. Dans les accessoires, c'est normal que je retrouve calculatrice, capture d'écran, éditeur de texte, gestionnaire d'archives, recherche de fichiers, terminal administrateur et VirtualBox. Même si les noms vous disent rien, là, c'est des accessoires. On va se limiter à ça. Ensuite, dans Autres, configurer la visionneuse de photos Picasa, désinstaller, ainsi de suite. Bon. Ensuite, dans la partie bureautique. Dis-moi, je fais de la bureautique, là. Donc. Les gens sont habitués d'utiliser Microsoft Office, ils achètent le logiciel Microsoft Office. Sauf qu'en Linux, il y a un logiciel qui fait la même job, OK? Et vous êtes capable de communiquer avec des systèmes Microsoft Office aussi en enregistrant vos fichiers dans un format que lui va être capable de lire. Mais avec le logiciel que là, qui est LibreOffice, vous pouvez tout lire. Vous pouvez tout lire ce qui est fait par Microsoft et vous pouvez
enregistré dans un format, justement, qui soit lisible par Microsoft, parce que Microsoft est incapable de le faire dans le format natif de LibreOffice. Donc, la suite bureautique est toute là. On va voir ça à la prochaine émission. On va continuer à élaborer un peu sur cette partie-là pour vous familiariser tranquillement. Donc, merci et à la prochaine émission.